C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas de 9,90 a priori sur certaines notes. A priori, c'est certain. Les notes sont revues à la baisse, mais les performances sont spectaculaires et identiques. Le champion de France, Éric Casimir, qui remplace maintenant, j'allais dire avantageusement, sans porter une ombre sur la formidable carrière de son frère, Patrice, qui a souhaité arrêter la compétition et qui est parti à La Réunion. Eh bien, aujourd'hui, c'est le cadet des Casimir, Éric, qui se propulse au plus haut niveau de la compétition, au Cheval d'Arçon notamment, où il excelle particulièrement. Notre plus grand talent à cet agrès, il est déjà champion d'Europe junior et nul doute qu'il glanera d'autres trophées sur les podiums mondiaux et l'on espère olympique pour Sydney bien sûr. Alors soyons clairs.